Voilà, c'est le temps de passer à notre second et dernier débat. Alors, être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Cette petite phrase avait valu à François Goulard, ancien ministre des gouvernements Raffarin et Villepin, le prix de l'humour politique. Mais voilà, quitter la vie publique, dans les faits, ben, c'est pas toujours aussi drôle. Lors des dernières élections législatives, 302 députés sortants ne se sont pas, ont été battus ou ne se sont pas représentés. Et est-ce qu'il y a une vie après la politique? Eh bien, c'est la question qu'on va trancher après ce reportage de Jonathan Dupriez. C'est un revers électoral qui a fait beaucoup parler de lui. Manuel Valls, devenu macroniste, n'a pas passé le tamis des dernières législatives. L'ancien Premier ministre de François Hollande a été sorti dès le premier tour du scrutin dans une circonscription des Français de l'étranger. Sans préciser son avenir, il s'est retiré des réseaux sociaux, laconique. Adieu Twitter. D'autres poids lourds du camp présidentiel ont été sèchement battus aux législatives. L'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans les Alpes de Haute-Provence. Bien obligé, depuis la défaite, de s'écarter du jeu politique national. Il faut regarder dans cette position. Ici est donc la gauche, et donc ici est la droite. Idem pour Richard Ferrand. L'ancien président de l'Assemblée nationale a chuté du siège où il était perché. Ce très proche d'Emmanuel Macron n'a pas été reconduit dans son fief du Finistère. Selon l'opinion, il aurait même refusé d'intégrer le gouvernement d'Elisabeth Borne. Rien n'a depuis filtré sur ses ambitions. Sa dernière prise de parole, la voici. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qui l'a emporté ce soir et former pour elle, pour la France et pour notre territoire, des vœux de plein succès. Si ces échecs sont retentissants, ils ne sont pas morts politiquement pour autant, selon la communicante Émilie Zapalski. On ne s'y attendait pas du tout, en fait, qu'il soit mis en échec comme ça aux législatives. Ça a été assez flagrant, ça a été une gifle quand même assez forte. Mais je pense qu'ils ont la possibilité de remonter la pente parce qu'ils ont existé auparavant en termes politiques et de manière très importante, encore une fois, autour d'Emmanuel Macron. En 2017, Benoît Hamon, candidat socialiste, dépasse à peine les 6% des voix. La gauche n'est pas morte, vous me l'avez dit. Vous attendez une renaissance. Ce soir, elle est douloureuse. Malgré le lancement de son mouvement Génération, il finira par se retirer de la vie politique en 2021. L'échec de 2017 l'aura marqué au fer rouge. Elle est juste pour nous, hein. Salut. D'autres, à l'image de Cécile Duflot, sont parvenus à rebondir. L'ancienne ministre du Logement, qui espérait l'investiture écologiste en 2017, se sera cassé les dents à la primaire EELV, battue au premier tour. Elle dirige désormais la branche française de l'ONG Oxfam, une porte de sortie qui semble cohérente au vu de son parcours. Y a-t-il une vie après la politique? On en parle ce soir avec mes invités. Jeannette Bougrabe, bonsoir. Vous êtes essayiste, docteur en droit public, aujourd'hui conseillère d'État. Et la politique, vous l'avez bien connue de près à l'UMP, où vous êtes engagée. Et puis dans le gouvernement Fillon, vous avez été secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative de 2010 à 2012. Et puis la politique, vous l'avez quittée. J'accueille à vos côtés Jérôme Lavrieux, ancien député européen, ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Et aujourd'hui, conseiller politique, après une mise au vert qui a duré 3 ans, vous allez nous la raconter. J'accueille également par écran interposé Razi Hamadi, ancien député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un média spécialisé sur les problématiques urbaines, News Tank Cities, que vous avez fondé. Vous êtes directeur pédagogique du MBA Management des Transitions Urbaines à l'Institut Léonard de Vinci. Vous allez publier en octobre un livre sur les 10 défis urbains. Bref, ça fait un CV très garni, comme quoi on peut quitter la politique et faire complètement autre chose. Henri Vernet, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien. Aujourd'hui en France, un des plus fins connaisseurs de la scène politique française, et vous avez publié avec votre confrère Renaud Dely « Tous les coups sont permis » et « Frères ennemis, l'hyperviolence en politique » chez Kalman Lévy. Et puis bien sûr, Guillaume Daret qui s'est resté et qui restera et interviendra jusqu'à la fin de cette émission. Je voudrais commencer en vous interpellant sur le jour où vous avez quitté la politique, et peut-être on peut commencer par vous, Razi Hamadi, parce que parfois la politique on la quitte, parfois c'est elle qui vous quitte. Pour vous, est-ce que c'est votre défaite au soir du premier tour des législatives en 2017 qui a signé l'arrêt de votre parcours politique, Razi Hamadi ?
Le quinquennat auquel j'ai participé en tant que député, qui était le quinquennat Hollande, était très éprouvant pour de nombreuses raisons. En même temps, lorsqu'on a le parcours que l'on a, lorsqu'on s'est engagé depuis des années, on a le cuir un petit peu tanné. Mais non, je pense que la politique dans ma tête s'est arrêtée le jour où j'ai décidé de passer le concours d'entrée à l'ESSEC. Et c'était pendant mon mandat parlementaire. C'est-à-dire que avant même le premier tour, j'avais passé ce test d'entrée. Et donc, dans ma tête, j'étais déjà un peu ailleurs. D'accord. Vous aviez déjà pris votre décision. Jeannette Bougrab, vous vous souvenez d'un jour où vous êtes dit « j'arrête » ? Oui, parce qu'en réalité, quand on est une femme, la question se pose à un moment de la maternité. Voilà. Ma maternité est un peu différente des autres parce que j'ai décidé d'adopter. Quand vous décidez d'adopter et que vous êtes une femme seule, la compatibilité de la vie politique où c'est H24, où il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances et on vous demande des déplacements, je m'étais engagée au moment de la procédure d'agrément de mon adoption de me retirer de la vie politique après 2012 pour avoir un bébé. Voilà. D'accord. Jérôme Labrieux, vous avez été longtemps un visage des coulisses de la politique, puisque vous avez été notamment, on le précisait, travaillé très proche de Jean-François Copé. Le grand public vous a découvert à l'occasion de l'affaire Big Malion, qui vous a valu d'être condamné l'an dernier à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis pour financement illégal de campagne. Une condamnation dont vous avez fait appel, je le précise. Mais dès 2019, après quelques 3 décennies d'engagement, vous avez décidé, d'une certaine façon, de partir en Dordogne pour ouvrir un gîte, racontez-nous. Oui, alors c'est un petit peu compliqué, parce que moi, ma vie politique, réellement, même si j'ai été député européen, mais député européen, vous êtes à Bruxelles, vous êtes loin du public Sénat, donc personne s'y intéresse vraiment. Moi, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus intelligente que j'ai faite de ma vie, mais je n'étais pas une bêtise près. Ma vie politique s'est arrêtée brutalement le 26 mai 2014, dans les faits. C'est quand je vais sur BFM TV et que... – Et que le grand public vous découvre, parce voilà. que vous racontez. – Et donc ma vie bascule en moins d'un quart d'heure de l'anonymat à peu près complet, à part vous qui me connaissiez, sinon personne ne me connaissait. Et à mon corps défendant, je bascule dans une hyper-violence et hyper-médiatisation en même temps. – Puisqu'on rappelle au grand voilà. public hein, qu'il était à l'époque question, dans cette affaire Big Malion, du dérapage des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. – Non, c'est pas ça. À l'époque, il était question de dire que j'avais détourné de l'argent à mon profit personnel. Et il a fallu que ça quitte l'affaire Big Malion pour devenir l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça m'a pris 5 ans pour travailler à rétablir la vérité, ce qui a d'ailleurs été dit et confirmé au premier jugement que vous avez eu, mais en attendant, voilà. – Alors, on ne va pas ici refaire l'affaire Big Malion, ce n'est pas le sujet, mais du coup, quand vous partez en Dordogne ouvrir un gîte, vous dites « j'arrête tout ».– En fait, à l'été 2014, je ne sais pas si je vais rester député européen longtemps ou pas, je m'attends, dans ma tête, je me dis « ils vont me foutre en prison, ils me couper la tête assez rapidement », au sens figuré du terme, mais… Donc je me dis, si ça s'arrête, moi, je n'ai pas de plan B. Je ne suis pas héritier, je n'ai pas d'argent de côté. Il faut que je fasse autre chose. Je suis un autodidacte de la politique. Donc je me dis que ben, je vais ouvrir des gîtes. D'accord. Et avec l'aide de mes parents, j'achète un corps de ferme dans le Périgord vert. C'est la partie la moins touristique de la Dordogne. Et puis... tant que je suis député européen, chaque week-end de disponible, chaque vacances de disponible, je charge le camion de mon père et je descends de Saint-Quentin, je fais un aller-retour en 3 jours pour faire des travaux, parce que je n'ai pas les moyens de les faire par quelqu'un d'autre. C'est tout l'argent que je gagne part dans mes frais de justice. Et donc, quand je quitte mon mandat de député européen en 2019, après avoir essayé d'honorer ce mandat, en terminant classé 2e député sur 751, eh bien, je deviens... Je continue parce que j'ai marqué sur mon site, sur mon compte Twitter, que j'étais homme de ménage. J'ai longtemps été payé pour faire le ménage après certains élus et maintenant je le fais au sens propre après mes locataires. Dans votre gîte. Henri Vernet, est-ce qu'il y a des départs heureux de la vie politique ? Je ne parle pas des départs en retraite. Hein. Des départs heureux, non, c'est assez rare. C'est vrai que la plupart du temps, c'est subi. En réalité, quand on commence une carrière politique,
au fond, chacun de vous, j'imagine, se voit au sommet. C'est-à-dire que la politique en France, elle est extrêmement pyramidale. Je me souviens d'ailleurs, dans les deux enquêtes, dans les deux livres que nous avions commis avec Renaud Dely, un jour, c'était un témoignage d'un député, je crois qu'en l'occurrence, c'était Pierre Lelouch, mais qui citait Sarkozy. Et Sarkozy lui avait expliqué un jour où Lelouch s'interrogeait on lui proposait un secrétariat d'État, alors il hésitait un peu, il ne savait pas trop, il demande conseil. Et là, Sarkozy lui a répondu, mais écoute, tu ne te poses même pas la question, la vie politique en France, c'est une pyramide. Il y a plusieurs étages. À la base, il y a les maires, les élus locaux, etc. Et puis, il y a les députés. Et au sommet, tout au sommet, la chef de l'État, mais juste avant, il y a les ministres. Et donc, quel que soit le poste qu'on te propose, ministre des choux farcis, tu prends les choux farcis. Et une carrière politique, une ambition politique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, quel que soit le mandat que vous décrochez, au fond, vous pensez déjà au Graal suprême. Alors, évidemment, tout le monde n'a ni l'ambition... Tout le monde n'y parvient pas. Voilà. Et, par définition... Néanmoins, cette ambition, elle est là. Et donc, un départ qui arrive avant un aboutissement de carrière, en tout cas un accomplissement pour soi, donc ça peut être député, ça peut être maire d'une grande ville, mais tant qu'on n'a pas au moins accompli cela, ça ne peut pas être un départ heureux. Et c'est toujours vécu comme un revers, Jeannette Bougrabe ? Pas vécu comme ça, voilà. Donc du coup, en même temps, c'était... un peu une exception. Oui, j'ai toujours été un petit peu dans ce qu'on a un petit peu, donc j'ai toujours été un peu typique. Mais non, moi, j'ai eu la chance d'abord de rentrer dans la politique sans avoir été une militante jeune RPR, etc. On m'avait repérée parce que j'étais maître de conférence en droit public à Sorbonne. Pierre Mazeaud m'avait identifiée, donc on me pousse, etc. J'ai des législatives, donc je ne voulais pas dans le 18e arrondissement à Barbès, entre Barbès et Châteaurouge, donc j'avais aucune chance, mais on y va quand même. Et puis après je sors et on revient me chercher. Mais de dire, d'avoir cette ambition-là, je la trouve presque malsaine, en fait. C'est-à-dire que se dire que l'ambition d'un politique, c'est d'accéder au pouvoir suprême sans se dire qu'on fait de la politique pour l'intérêt général, je trouve ça malsain. L'un voilà. N'exclut pas l'autre. Non, je reconnais, mais être rongé par l'ambition, parce qu'on fait forcément de la politique malheureuse. On est forcément malheureux quand on fait de la politique comme L'ambition peut être un moteur aussi. Oui, mais c'est pour connaître la vie des partis politiques, il y a une forme de très grande ingratitude, et il faut quand même avaler c'est pas des couleuvres, c'est des anacondas pour en arriver là. Donc du coup, il faut savoir... Ouais, je garde plutôt un bon souvenir de cette période-là. Razia m'a dit, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on est battu ? Le téléphone ne sonne plus ? Est-ce que les députés ont droit au chômage ? Alors, il y a peut-être juste un point sur lequel je voudrais revenir suite au propos d'Henri Vernet. Il a totalement raison. Au sens où, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, des raisons de service à l'intérêt général qui nous motivent ou d'ambition, c'est vrai qu'on se dit « bon ». C'était mon cas, j'étais parlementaire, rapporteur général de texte, donc à plusieurs reprises on m'annonce au gouvernement sur des sujets que je connais et sur lesquels je travaille depuis des années, puisqu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le parcours des uns et des autres avant d'être élu, puisque c'est aussi votre sujet. Moi, j'ai jamais travaillé dans le public ou dans la politique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'était un parcours différent, c'est ce que j'ai souhaité. Et au moment où je suis élu député, c'est un moment où je décide de partir à l'étranger dans le cadre de ma vie professionnelle. Et c'est un peu, finalement, au moment où je le souhaitais le moins, que j'ai la chance de pouvoir être candidat, alors que je courais derrière ça depuis des années. Et c'est vrai que lorsque j'apprends, après trois reprises, ma nomination au gouvernement qui finalement ne se fait pas pour des raisons que je n'ai jamais su, mais parce qu'il y avait une méritocratie qui, à mon avis, devait être respectée, qui ne l'a pas été, c'est la vie. C'est vrai que là, je me suis dit, bon, j'ai fait le job, on a bossé, était dans les trois députés les plus présents, les plus efficaces au nombre d'amendements, etc., la commission des finances, jour et nuit. Il y avait une sorte de plafond de verre, pas au sens où on l'entend lorsqu'on débat des discriminations, mais un plafond de verre au sens de « je ne m'accomplissais plus dans ce cadre-là et je ne me voyais pas durer pour durer ». Comment ça se passe ensuite ? Je pense qu'il vaut mieux le choisir que le subir. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais dire par rapport à la question que vous posez et suite à ce que disait M. Vernet précédemment, c'est que générationnellement, les choses ont changé aussi, ce ne serait-ce que pour des raisons biologiques. C'est-à-dire que la vie active aujourd'hui, elle a 50, 60, 70 ans.
Donc, avant, on faisait de la politique à partir de, à part pour quelques personnalités, mais on commençait la politique à 45, 50, 55 ans, une fois qu'on avait fait sa vie professionnelle. On était médecin, enseignant, on gagnait les cantonales, puis on dirigeait le conseil général, ou on était envoyé ici ou là. Grosso modo, la vie politique était la fin de la vie active, ou elle était toute la vie active. Or, quand vous avez des profils tels que le mien, vous êtes élu à 32 ans, le plus jeune député de la majorité, vous avez quoi comme solution ? Soit, dès le début, vous vous dites « je ne vais pas faire de la politique toute ma vie » et donc vous vivez avec et ça fait partie de votre plan de carrière et donc c'est moins choquant, c'est moins brutal. Soit vous dites « ah ben je vais faire que ça ». Et là, je trouve que là, ça devient malsain parce que j'ai vu des collègues, des amis hein, continuer à s'accrocher jusqu'à s'abîmer. Donc, comment ça se passe ? Ben, ça se passe très tranquillement. J'ai eu un petit peu, moi, de la chance, puisque j'ai passé un an aux États-Unis tout de suite après mon mandat parlementaire. Donc, la coupure a été totale. Et je pense, et je terminerai là-dessus, c'est qu'en politique, peut-être plus M. Lavrieux que Jeannette Bougrabe, mais quelquefois, on a l'impression aussi d'être un petit peu dans une prison mentale. C'est-à-dire que tout est très important. Vous êtes le cœur de la planète. Vous êtes chaque sujet. Attention, il ne faut pas rater cette réunion demain matin à 9h. Sinon, les tours s'effondrent. Alors qu'on s'en fout, en fait. Dans l'absolu, oui, c'est important. Mais à l'extérieur, il se passe aussi des choses, même du point de vue de la réflexion de fond. Moi, dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement dans lequel je travaille, et Mme Tricot précédemment, juste avant, on a aussi des appareils et une vie politique qui s'est vidée de sa substance en termes de pertinence sur le débat politique et sur le débat d'experts. Alors, Jérôme Lavrieux, vous nous l'avez confié, vous êtes un autodidacte. Est-ce que c'est une bonne école, la politique ? D'être autodidacte ? Non, quand on est autodidacte, est-ce que la politique, c'est une bonne école de formation ? Ou est-ce que, comme le dit Razia Madi, on finit par perdre un peu le sens de la réalité, considérer que tout est très important ? C'est toujours très prétentieux de dire ça. J'ai jamais perdu le sens des réalités. Je suis toujours rentré chez moi, on m'a toujours considéré... Ça m'est arrivé d'être conduit par un chauffeur avec un pimpon et traverser Paris à toute vitesse. Ça m'est même arrivé... Et malheureusement, trop souvent de fois, de rentrer de meeting avec Nicolas Sarkozy dans un jet. Je n'étais pas programmé pour faire... Mais je vous assure, quand je rentrais chez moi, je m'occupais de mon linge, je m'occupais de faire mes courses, et j'avais personne pour le faire. Et je me retrouvais tout comme un con tout seul, parce que vous consacrez 24 heures sur 24 à la politique, vous vous coupez de tout autre relationnel, c'est là où c'est... Et ça finit, c'est vrai, par être une drogue. Oui, quand on débranche la perfusion... Ah ben ça fait mal, hein. C'est pas le même parcours, le retrait de la perfusion a été assez brutal. Il y a eu quelques hématomes sur le sujet, mais après, je pensais que j'en étais totalement remis. Et ça vide pas de temps en temps d'essayer de replonger en politique. Sincèrement, moi j'en ai pris plein la figure, mais il n'empêche que moi je demeure convaincu que si on veut changer des choses, ça passe nécessairement par la vie politique. Moi, quand j'étais avant-dernière au rang protocolaire au plan gouvernemental, j'ai jamais été élue, j'ai été battue royalement dans le 18e contre... Qu'est-ce que vous avez appris en politique ? J'ai rencontré la possibilité de bouger les choses. On a fait un rapport sur le suicide des enfants. C'est un sujet dont personne ne veut aborder, le mal-être. Aujourd'hui, on parle du mal-être des adolescents, mais vous savez qu'il y a des gosses de 8 ans qui se jettent par la fenêtre, qui se défenestrent. J'ai eu la chance de travailler Boris Cyrulnik. On l'a fait des coups, effectivement, parce qu'il fallait faire attention de ne pas être en interministériel, de ne pas demander à j'avais obtenu l'accord de François Fillon, mais ma tutelle, le ministre de l'Éducation, ne voulait pas en entendre parler parce que ça pouvait remettre en cause. J'ai travaillé avec Israël Nizan sur les grossesses précoces. On a fait des choses formidables. On s'occupait des quartiers, personne ne voulait s'en occuper parce qu'une partie du gouvernement disait mais ce n'est pas notre électorat. Donc on allait dans les quartiers le 31 décembre, et on savait que les voitures brûlaient, on était sur le terrain. Donc de dire que... Moi, je n'ai pas fait de syndicat étudiant, mais je crois que Ramzi, vous aviez fait du militantisme. Ramzi avait été patron du MGS. Voilà, donc moi, je n'ai pas fait tout ça. Donc, Mitterrand, c'est l'école du vice. Non, moi, j'étais,
je suis une fille de Harki qui a fait ses études de droit, qui travaillait pendant ses études, et je n'ai jamais regardé au-delà tant que je n'avais pas eu mon poste à la fac, parce que je savais très bien qu'il fallait d'abord s'assurer des fins de mois. La très grande liberté, c'est quand on ne dépend pas financièrement et de la politique, en fait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait en dilettante, ce n'est pas vrai. Et le sacrifice que l'on fait quand on est femme, mais ce n'est pas un sacrifice, parce que c'est de devoir s'arrêter quand on veut effectivement avoir une famille. Voilà. Et ça, on ne le dit pas assez aux femmes. Parce qu'il faut l'expliquer aussi au grand public. Oui, la politique, c'est un sacerdoce, c'est beaucoup de sacrifices, voilà. Alors, les hommes, beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends passés au contact. C'est plus facile pour les hommes, parce qu'ils ont une épouse, ils ont parfois, ils laissent les enfants à la maison, mais quand vous êtes une femme, c'est un peu différent. Voilà. Henri, en juin dernier, 2 députés sur 10 n'ont pas souhaité se représenter. Est-ce que ce chiffre vous étonne ? Non, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de dévalorisation de la politique. D'abord, je crois qu'il y a le sentiment que la marge de manœuvre du politique et singulièrement du député dans la Ve République. Alors, en même temps, il se trouve que justement là, il y a une opportunité historique pour que le chaudron parlementaire revienne un peu au centre du jeu. D'ailleurs, on voit bien que se joue actuellement une espèce de bataille entre l'Élysée et l'Assemblée à qui va récupérer un peu de pouvoir. Et ça, ça paraît presque une anomalie dans notre système de la Ve République. Donc peut-être qu'ils ont choisi le mauvais moment pour le coup pour ne pas se représenter. Mais sinon, non, de manière générale, c'est pas très étonnant, parce que je me souviens, justement, aussi dans le cadre de ces enquêtes, avoir eu des discussions à ce sujet avec Michel Rocard. On lui avait demandé, mais est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre vie publique ? Et il nous avait dit non, parce que comme Premier ministre, finalement, j'ai pu réformer dans le laps de temps assez court qu'il a eu dans le deuxième septennat de Mitterrand. Il a pu faire pas mal de réformes, et il considère avoir agi finalement à peu près comme un président, dans la mesure où, de toute façon, avec la complexification des problèmes, avec la mondialisation, de toute façon, la marge de manœuvre, la marge d'action des pouvoirs politiques se réduit énormément, déjà quand vous êtes aux manettes. Donc, que les députés soient un petit peu déçus de cela, mais ça touche également les ministres. Rappelez-vous le mal qu'a eu Emmanuel Macron d'abord à trouver un ou une première ministre, puisque certains et certaines ont décliné le poste. Je veux dire, c'était inimaginable il y a 10 ou 15 ans de refuser. On n'a jamais vu autant de premiers ministres dire qu'ils avaient refusé le poste. Donc c'est dire à quel point c'est vrai qu'aujourd'hui, cette fonction-là, elle n'est plus aussi valable. Parce que vous parliez des pimpons, vous parliez de tous les avantages, de tout ce qu'on trimballe. Oui, c'est anecdotique, mais c'est vrai que pendant des décennies, on a bien vécu en faisant de la politique. Aujourd'hui, vous risquez quand même des mises en examen, c'est d'ailleurs votre cas, vous risquez des condamnations, vous risquez même d'aller en prison. Les comptes sont extrêmement contrôlés. C'est aussi une violence physique, c'est une violence verbale. Moi, j'ai été menacée de mort à plusieurs reprises. Mais même par vos amis, moi, je me souviens, puisqu'on s'était vu d'ailleurs pour l'une des enquêtes, je me souviens de ce que vous m'aviez expliqué un jour quand on vous a dit que. On vous a dit les gens comme vous. Et l'expression, vous avez choqué. On avait parlé à Jeanne Bougrat, mais bien sûr. Mais voilà. Évidemment, parce que moi, j'étais convoquée à Matignon quand j'avais dit Moubarak doit partir au moment du printemps arabe. On m'a dit, mais alors les gens comme vous, on ne les contrôle pas. Donc des gens comme vous, c'était des gens issus de l'immigration. C'est François Fillon qui vous dit ça ? Non, ce n'est pas François Fillon. Ce n'était pas François Fillon. Les gens ont fait sincèrement, il s'est toujours très, très bien comporté avec moi. Mais le nombre d'horreurs. En l'occurrence, c'était Claude Guéant. Voilà. C'était Claude Guéant qui m'avait dit en m'appelant. Mais ce que. La violence, vous en avez souffert en politique ? Mais j'en ai souffert, j'en ai souffert sans doute sur le moment, mais l'avantage ou l'inconvénient, moi là, j'ai vécu une violence sans commune mesure. Depuis l'enfance, je connais des propos racistes à Châteauroux, donc moi, dès le cours préparatoire, je savais ce qu'on disait Bougnoul, Melon, Bicot, etc. Ces gens-là, l'expression qui est tenue par la ministre aujourd'hui d'Emmanuel Macron, combien de fois moi je l'ai entendue en dire si les autres étaient comme vous, etc. Donc cette violence-là, moi je la connais et je la connaîtrai toujours. Voilà. Pardon Jeanine Bougrat, mais elle n'est pas spécifique au monde elle politique, cette violence-là. Non, elle n'est pas spécifique. D'un racisme. Moi j'en discutais en aparté tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis toujours étiquetée Nicolas Sarkozy, et on me faisait une réflexion en disant « Ah bah oui, toi t'étais avec Nicolas Sarkozy, t'es pour le Karcher ». Mais je me dis « Mais où les gens vont chercher des trucs pareils ?» Et c'est comme ça, donc je paye d'une certaine manière, entre guillemets, mon appartenance à un gouvernement, parce qu'il y aura toujours une suspicion qui pèsera sur moi, une forme... Et c'est ça qui est extrêmement difficile, parce qu'en réalité, on met entre parenthèses sa vie personnelle, on met entre parenthèses plein de choses, vous êtes attaqué sur les... Maintenant, il y a les réseaux sociaux, on vous menace, mes parents recevaient des lettres, on les a juriés, c'est monstrueux, je m'en veux d'avoir fait subir ça à mes parents. Aujourd'hui, on me dirait, il faut se réengager, on me l'a proposé, mais j'ai décliné pour protéger les miens.
Jérôme Lavrieux, la violence en politique, vous l'avez touché de près. Je me souviens d'une interview que vous aviez accordée à l'Obs. Vous avez déclaré « Il m'arrive d'avoir peur. J'ai dit à mes proches que si un jour j'avais un accident de voiture, il faudrait faire une expertise. Je n'ai pas envie d'apprendre à nager dans 20 cm d'eau comme Robert Boulin. » Alors on rappelle à nos plus jeunes téléspectateurs que Robert Boulin, c'est le nom du ministre de Travail de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait été retrouvé effectivement mort dans un étang dans 20 cm d'eau. Mais oui. Est-ce que j'ai eu raison ou pas de le ressentir comme ça? C'est le ressenti que j'avais à ce moment-là. Vous aviez peur pour votre vie? Je pense que celui qui était le plus dangereux pour sa vie, c'était moi. Oh, c'est triste. Mais j'ai essayé de surmonter ça. J'ai appris à faire semblant d'être heureux. Mais je pense qu'on s'en remet jamais. Mais il y a des gens qui... Alors, pas dans le grand public, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème. Les gens ou me reconnaissent pas ou quand ils me reconnaissent... les Français adorent la politique, adorent tout ça. Ils me disent, vous payez pour les autres. Mais vous aviez peur au sein de votre famille politique? Pas au sein de ma famille politique, mais il y a tellement d'intérêts qui sont en jeu. Il y a tellement d'avenir, de tellement de personnes qui sont en jeu. Il y a parfois même des gens qui sont zélés pour le compte d'autres. Vous savez, moi j'habitais dans un hameau, 15 km de Saint-Quentin, on ne pouvait pas aller chez moi, c'était un cul-de-sac. Un mot, un cul-de-sac, c'est-à-dire vraiment, j'allais être vulgaire, mais le trou du monde. On ne pouvait pas y aller. Pas... Ils n'ont jamais vu un véhicule 75. Hein. Bah, j'ai eu une période où ça venait régulièrement. Voilà. Puis quand vous approchez, les gens se barrent. Voilà. Mais l'autre violence, elle vient de tout le monde. Vous savez, quand éclate cette affaire... Mon père, il avait à l'époque 70 ans, 73 ans. Les gens vont chez mon père. Moi, je ne suis pas sur liste rouge. Mon père n'était pas sur liste rouge. J'habitais à Saint-Quentin. Une journaliste d'une célèbre radio, qui a un logo rouge, frappe à la porte de mon père. Mon père est poli, il ouvre la porte, tend le micro. Monsieur Lavrieux, ça fait quoi d'être le père d'un voyou? Vous imaginez la violence pour la famille? Enfin, vous vous mettez à la place des gens? Vous vous rendez compte ce que... Journaliste, c'était pas méchant, elle avait pas envie de blesser. C'est l'urgence qui amène ça. Aucun recul, aucun dire, mais peut-être que la salade qu'on nous vend est pas totalement celle-là. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Et vous prenez ça. Le pire pour moi, c'était pas la violence des coups tordus, j'en ai fait. Hein. J'ai été violent avec des gens et des adversaires. J'ai rédigé des argumentaires violents. Je pouvais l'assumer, mais j'avais de la famille, j'ai une chance inouïe. La vie est ainsi faite que j'avais divorcé il y a longtemps. J'ai pas emmené mon couple et mes enfants dans un truc qui était ingérable à l'époque. Heureusement, j'étais tout seul. Mais j'avais mes parents, ma sœur, mon frère. Quand vous prenez la une de votre quotidien local qui dit, parce que votre sœur a un restaurant, que les services vétérinaires vont débarquer. Il y a un article d'une page là-dessus. Ils sont jamais débarqués pour faire fermer le restaurant de ma sœur. Et vous vous dites, mais c'est de ma faute. Tout ça pour ça. Vous ne dites pas c'est la faute du con qui écrit l'article. Vous dites c'est ma faute à moi. C'est moi qui suis en train de... Donc c'est d'une violence extraordinaire. Et je ne me plains pas. On va dire, Lavrieux est encore en train de se plaindre, machin. Je vous raconte ce qui s'est passé. Non, bien sûr, c'est très clair. Vous aviez participé aussi. En revanche, moi, à titre perso, je n'ai jamais rasé les murs. Quand un journaliste est venu pour m'interviewer, j'ai expliqué, réexpliqué, réexpliqué. Je prends le TGV, j'explique au contrôleur. 10 ans après, je vais m'acheter des chaussures rue de Rennes. Parce que je voulais avoir des chaussures pour revenir à l'Assemblée nationale, parce que ça fait longtemps que je ne mets plus de chaussures de costume. Et la dame, elle me dit, vous êtes sur notre fichier? Je dis oui. Alors je lui dis, Lavrieux, LAVRI. Elle dit, ah, celui qui est connu. Je dis, merde, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle dit, ah, je vous adore, je suis fan. Je dis, mais il n'y a pas de raison d'être fan. D'accord? Mais c'est la violence de ne plus pouvoir être anonyme si on souhaite être anonyme. Mais les gens sont toujours bien comportés, les particuliers. Razia Madi, Jérôme Lavrieux faisait allusion à la rédaction d'argumentaires, de petites phrases. Vous, dans mon souvenir, à une époque, vous étiez chargé de la riposte au Parti socialiste. Mmh. Est-ce qu'on se laisse parfois enivrer par une forme de violence verbale, de recherche du bon mot, d'attaque qui fait mal? Je pense que c'est une question de tempérament. Je me rappelle, depuis, on est devenu assez proche avec un certain nombre de porte-parole à l'époque qui étaient à l'UMP et qui aujourd'hui agissent dans le domaine plutôt professionnel privé. Mais il y a le jeu d'estrade, d'accord? Il y a le jeu d'estrade, de l'argumentaire, de... OK.
Et ensuite, il y a le fait de pas respecter un certain nombre de règles. Moi, je me suis toujours astreint à une sorte de code d'honneur, c'est-à-dire de pas attaquer sur des choses qui font mal. Et ça m'a plutôt bien servi, puisque j'ai toujours eu de très bonnes relations, y compris avec les gens auxquels j'ai pu être opposé politiquement et avec lesquels aujourd'hui j'ai aussi de très 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 bonnes relations. Donc vous n'avez pas connu une forme de violence, ou de la violence du monde politique, vous l'avez pas, si, vous l'avez pas. Si, si. Ah si, 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 très clairement. Alors moi, je l'ai plus connu au niveau, entre guillemets, au niveau local, puisque à la limite, au niveau parlementaire, c'est tous les 5 ans, c'est une élection, vous avez le combat politique entre les partis, au niveau national, le jeu de l'opposition, ou lorsque vous êtes dans la majorité, bien. Donc, mais au niveau local, là, par rapport à ce que disait Jérôme Lavrieux, vous touchez véritablement à certains intérêts, puisque vous avez des gens qui concrètement, depuis des années, vivent et ne peuvent vivre et n'être salariés que par la politique. C'est-à-dire que là, vous parlez des parlementaires, des ministres, mais nous avons aussi un certain nombre d'élus locaux, dont certains ne sont pas forcément maires, hein, sont adjoints, à côté sont élus à la communauté d'agglo, et ça fait 25-30 ans, il n'y a rien d'autre. Et là, ils sont certaines fois, certains, dans certains cas, ben, ils sont prêts à tout pour défendre ça, parce que ça n'est plus une question de gauche, de droite ou d'idées, c'est une question de survie sociale et économique. Donc moi j'ai coutume de dire qu'il y a un duo qui pour moi peut aussi justifier ou expliquer un certain mal-être par rapport à ce que vous disiez sur un certain nombre de gens qui veulent plus faire de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on propose à des gens d'être ministre, les gens vous disent non, je veux pas être ministre. Vous voulez être premier ministre? Non, je veux pas être premier ministre. C'est ce couple, c'est la méritocratie et la médiocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez, dans le privé, au quotidien, moi j'ai commencé, on était 3 salariés, aujourd'hui on est une vingtaine. Ce que vous voulez dire, Radia Mehdi, quand vous dites médiocratie, c'est médiocrité ou la médiacratie, les médias? Non, la médiocrité. La médiocrité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont prêts à tout donner pour leur pays, au-delà des clivages politiques, pour l'intérêt général, etc., ces gens-là disent « bon, ben, je me barre, c'est bon. Si, pour ce niveau de rémunération, cette violence, les sacrifices que je fais, je veux bien la passion, tout ce qu'on veut, les idées, les valeurs, mais pas au prix de ma santé, pas au prix de la sécurité de ma famille, eh bien oui, à un moment donné, il ne restera en politique que des médiocres. C'est-à-dire que des gens qui sont prêts à ça pour continuer à être élus. Et ça, je le dis à nos concitoyennes et nos concitoyens, à force d'être durs, quelquefois, parce que les élus sont à portée de baffe. C'est-à-dire, vous êtes député, vous êtes même élu local. Ce que vous voulez nous dire, Radia Mehdi, je suis désolé, je suis obligé d'abréger un petit peu. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on dégoûte les bons. C'est ça, c'est ce que vous voulez nous dire. On dégoûte les bons de rester en politique à partir du moment où ils sont confrontés. Oui, sans feindre une fausse humilité, oui. Alors, c'est parfois, vous dites, les autres se barrent, mais se barrer, comme on dit, passer dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans le privé, c'est pas toujours facile, à moins de se livrer au pantouflage quand on est ministre. On va accueillir Steve Jourdain pour comprendre en quoi consiste ce pantouflage et qui ça peut concerner. Quels sont les règles ? Un joli mot, déjà. Le pantouflage, à l'origine, c'est de l'argot. Ça désigne le fait pour un haut fonctionnaire de quitter le service de l'État pour aller bosser dans une entreprise privée. La raison est souvent très simple, plus d'argent, plus d'opportunités, parfois une meilleure position social. Exemple typique et récent de pantouflage Mathieu en politique, l'ancien secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, il a pris la tête d'Opium, un fabricant de voitures hydrogène. Pour lui, le pantouflage, pas de problème, écoutez-le. Je venais du privé et je fais partie de cette génération qui s'est engagée en politique aux côtés d'Emmanuel Macron en 2017. J'ai eu la chance d'être député pendant un peu plus de 2 ans, membre du gouvernement pendant 3 ans. Et puis effectivement, quand vous êtes membre du gouvernement, vous pouvez tout à fait retourner dans le privé sous réserve de respecter certaines règles. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai choisi Jean-Baptiste Djebbari pour illustrer mon propos, mais on aurait pu prendre d'autres exemples. Il y a Brune Poirson, cadre chez Veolia, député macroniste, secrétaire d'État à la transition écologique, et qui, avant même la fin de son mandat, a décidé de rejoindre le groupe Accor. Elle exerce aujourd'hui au sein du géant hôtelier la fonction de directrice du développement durable. Et le pantouflage, ça ne concerne pas seulement la Macronie, évidemment, on en trouve à gauche. Chez les socialistes, après ses fonctions de ministre du Travail, Myriam El Khomri a par exemple décidé de rejoindre
rejoindre un groupe de courtage en assurance. À droite, il y a François Baroin, ancien ministre du budget sous Nicolas Sarkozy. Certains voyant en lui un futur président de la République raté. Il a choisi une autre route. Depuis janvier, il est à la tête de la filiale française de la banque Barclays, Mathieu. Alors, le pantouflage, c'est quand vous l'avez dit, c'est quand on quitte des fonctions publiques pour passer à des fonctions privées. C'est encadré par la loi. Comment ? Oui, ce qui dérange dans tout ça, c'est pas le passage du public au privé. Le problème, c'est qu'un homme ou une femme de pouvoir se fasse embaucher dans le privé pour pouvoir ensuite utiliser éventuellement ses réseaux, ses connaissances, son influence au service d'une entreprise pour peser sur la fabrication de la loi, une loi qui doit théoriquement se fabriquer dans l'intérêt du plus grand nombre et non dans l'intérêt, dans certains intérêts particuliers. Le code pénal, il encadre ces pratiques. C'est l'article 432-13. Il punit de 3 ans d'emprisonnement le fait pour un ministre de passer dans une entreprise qui a été dans sa sphère d'influence lorsqu'il était au gouvernement. Une institution est chargée de contrôler ces passages du public au privé. C'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est présidée, Mathieu, par l'ancien socialiste Didier Migaud. Alors, on va conclure cette émission tout à l'heure en parlant des éternels retours, de ceux qui des éternels revenants dans la vie politique. Mais juste avant, Jeannette Bougrabe, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il faut favoriser les passerelles entre la politique et le secteur privé ou le monde professionnel, oui, on va dire. Sinon, on n'a que des professionnels de la profession. Non, il y a des professionnels de la profession, des gens qui ont commencé en militant dans les partis politiques ou le syndicalisme étudiant et qui ensuite sont des apparatchiks du parti et qui ensuite sont pas d'assistants parlementaires, ensuite parlementaires et ensuite un jour ministre. Mais le vrai problème aujourd'hui, et je n'ai pas regardé sur les origines sociologiques, il faut des gens qui soient en dehors de la fonction publique, parce que c'est vrai que la possibilité de faire de la politique, c'est aussi de prendre des risques. Et moi, ça ne me choque pas que des gens aillent dans le privé. Le problème, c'est que sociologiquement, quand vous regardez en fait la composition, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, peut-être moins du Sénat d'ailleurs, ou des ministres, ils ont une origine sociale ou une origine professionnelle qui est assez homogène. Il ne faut pas uniquement que ce soit des hauts fonctionnaires qui ont fait l'ENA, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Alors évidemment, vous allez dire que je suis vieille, donc c'est la raison, mais d'un Monory ou d'un Bérégovois, ça fait rêver de ces gens qui viennent en réalité, qui ont une sorte d'expérience. De très populaire. Oui, il était apprenti mécanicien. Et ça fait des gens exceptionnels d'avoir les mêmes profils, de se dire, parce qu'effectivement, il y a un filet de sécurité quand on est fonctionnaire, on peut revenir. Donc des gens qui ont... Alors, on reproche à ces personnes d'aller dans le privé. Vous aurez préféré qu'ils aillent au chômage, qu'ils fassent rien, qu'ils tombent dans la dépression. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Il y a une autorité qui contrôle. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, il y ait des possibilités, quand vous êtes dans une entreprise, qu'on puisse permettre le retour dans l'entreprise. Ça, ce serait intéressant. Ça permettrait de vivifier un peu le vivier, si j'ose dire. Guillaume, on va parler des revenants, des retours, du mythe de l'éternel retour, et on va parler d'un des plus célèbres d'entre eux. En 2013, François Hollande avait répondu à un enfant qui l'interrogeait à propos de Nicolas Sarkozy, tu ne le reverras plus. C'était loupé. Ça a pris plus de temps que prévu, en tout cas. Oui, parce qu'effectivement, Nicolas Sarkozy, jusqu'à peu, c'était quand même celui qui, à droite, fallait continuer d'aller voir à quelques kilomètres d'ici, rue de Miroménil, dans le 8e arrondissement de Paris. Et en même temps, cette ombre qui a longtemps plané sur la droite, ça a aussi lourdement handicapé la droite, parce que ce mythe du retour potentiel, même après l'échec de la primaire 2016, ça a empêché, clairement on le voit aujourd'hui, l'émergence d'un nouveau leader. Et puis aussi, Nicolas Sarkozy a entretenu la droite, Jérôme Lavrieux l'a sans doute entendu, dans cette fausse défaite d'une certaine façon. On entend encore aujourd'hui, et souvent son entourage à Nicolas Sarkozy, nous dire qu'il a presque gagné en 2012, qu'à 15 jours près, finalement, il aura gagné cette élection présidentielle. Donc effectivement, dans cet état d'esprit, eh bien, il n'y a pas de bilan. S'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de changement du logiciel intellectuel de la droite. Et on voit bien d'ailleurs que sur le plan des idées, depuis 10 ans, finalement, la droite a un peu toujours les mêmes recettes. La baisse des impôts, moins d'immigrés, et puis le retour du Karcher. Valérie Pécresse elle-même en a parlé dans la campagne présidentielle. Mais pour vous, cette période où le fantôme Sarkozy planait est en train d'être refermé? J'ai le sentiment que ça s'est un petit peu, effectivement, peut-être pas terminé, mais on sent que cette influence commence à s'affaiblir ces dernières semaines et ces derniers mois, déjà en raison de ses condamnations judiciaires, même si là aussi il a fait appel. Et puis surtout, ce qui a changé beaucoup de choses, c'est le non-soutien à Valérie Pécresse. C'est assez intéressant quand nous échangeons, je pense que Henri l'a fait avec des parlementaires de droite qui vous racontent comment, dans leur permanence, les militants sarkozistes purs et durs arrivent sac en main
avec les livres de l'ancien président Sarkozy et disent « je vous les rends, pour nous c'est un traître, on ne veut plus en entendre parler ». Ça c'est quelque chose qui pèse et c'est pas qu'un sentiment parce qu'on le voit dans les études d'opinion, notamment dans le baromètre Ipsos, il a perdu près de 20 points de popularité auprès des sympathisants des Républicains. Et c'est probablement un maigre lot de consolation pour Valérie Pécresse, mais elle a sans aucun doute rendu service au prochain leader des Républicains, pour qui la rue de Miroménil, je pense, ne sera plus un passage obligé. Henri, rapidement, c'est rare les retours réussis. Oui, c'est. On peut même se demander s'il y en a, mais regardez, il y a un prédécesseur, c'est Giscard. Giscard d'Estaing qui perd la présidentielle, il perd l'Élysée. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le chemin à l'envers. Alors après avoir une espèce d'exil temporaire au Canada, en Grèce, où il a dans les Rocheuses, où il a ressassé un petit peu son échec, mais qu'est-ce qu'il fait sitôt rentré en France? Il refait tout le chemin à l'envers. Conseiller général, conseiller régional, député, président de parti, et avec un rêve de se représenter à la présidence française, ça échouera parce que les guerres intestines sont les plus fortes au sein des mêmes familles politiques, à droite notamment, Chirac-Giscard, Chirac-Balladur, Sarkozy-Chirac, enfin bref, là, vous en savez quelque chose, et c'est là que c'est le plus dur, et puis il aura rêvé même de la présidence européenne, et ça ne marchera pas. Donc non, les retours, c'est... D'ailleurs, on est le seul pays, en réalité, où les crocodiles reviennent ainsi, quand vous regardez aux États-Unis notamment, ou dans d'autres pays, quand on fait notre carrière, on perd, on est éjecté. Alors, juste, je voudrais refaire le tour tous les trois, vous revenez en politique. Non, que vous conseillez un député du Rhône, oui, Jérôme Lavrieux. Mais je ne suis pas le député. Loin de moi cette idée saugrenue. Non, je ne reviens pas en politique. J'ai fait 17 ans de mandat quand même. Conseiller général et député européen. J'ai jamais été battu. Et à chaque fois, j'ai été comme adversaire principal contre le Front National. Je n'ai jamais été battu. Mais je ne reviens pas en politique. Je vais en décevoir peut-être un ou deux, je vais en rassurer sans doute beaucoup, je ne reviens pas en politique. Après votre émission, je prends mon TGV, je retourne en Dordogne, j'ai du ménage à faire demain parce que j'ai des arrivées dans mes gîtes. Mais il s'avère que c'est une histoire assez sympathique, c'est que j'ai un ancien stagiaire qui a été élu député, il m'a demandé si je pouvais l'aider, je le fais. Je voulais juste vous dire, pour terminer avec un sourire, tout est dit dans La Folie des Grandeurs avec De Funès. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais rien faire, j'étais ministre toute ma vie. Et ça, c'est une angoisse qui en est incertain, et c'est une mauvaise angoisse. Razia Madi, rapidement pour conclure, vous avez envie de revenir en politique un jour? Aujourd'hui, non. Et si je devais y revenir, je ne voudrais surtout pas y revenir par la politique, mais plutôt par ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, je conseille aujourd'hui, y compris des gouvernements, des organisations, y compris à l'étranger, dans la question des transitions urbaines. Donc, c'est compétence, c'est plus comme ça que je me vois. Et non pas par un parcours d'apparatchik, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Jeannette Bougrabe. Moi, j'écris des livres. Voilà, j'ai trouvé que c'était mon dernier livre sur la guerre du Yémen, puisqu'il y a la visite en ce moment de MBZ, à qui on vend des armes et qui commet des crimes de guerre, et dans une guerre dont on ne parle pas, puisqu'il y a plus de 400 000 morts. Et je prépare un documentaire sur les mutilations génitales, puisque le combat sur la question des droits des femmes, parce que les gens ne le voient pas, mais il y a une augmentation de l'excision en France et qu'on n'en parle pas. Et c'est justement Public Sénat qui a accepté, en tout cas, de... d'être le diffuseur de ce documentaire. Ça montre qu'on peut aussi avoir des engagements et les porter sans faire forcément de la politique au terme classique du terme. C'est la fin de ce débat, c'est la fin de cette émission. Merci à vous quatre, à vous cinq d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir regardé.